que j'ai pris ma petite photo, je fais mon lit et là je file en cuisine. Anna a déjà pris le bibi les trois quarts du temps. Me voilà en train d'ouvrir les volets, je vais aller faire le petit déj pour moi. Mais avant, j'ai évidemment fait un petit tour aux toilettes pour le pipi du matin. Et enceinte, autant vous dire qu'il y a le pipi de minuit, le pipi de 2 heures, le pipi de 4 heures. Alors quand bébé va grandir, je vais passer ma vie aux chiottes. Bref, du coup, petit pipi, toujours. Et là maintenant, petit cachet. C'est parti avec mon petit cartégique, j'ai encore tout ça à finir et après j'en aurai plus normalement de renouveler. Donc voilà, c'est parti pour les cachets. Je vous ai déjà expliqué sur le blog dans mes rubriques bilan de grossesse. Alors normalement je prends mes cachets avec de l'eau, clairement, et depuis le film Sugarland je n'utilise rien d'autre que de l'eau pour boire mes cachets. Mais là j'ai reçu absolument toute une cure, paf, et je ne peux pas en fait faire de cure étant enceinte, même si j'adore les jus. Je vais vous mettre un article que j'ai fait sur les jus en général. Et là du coup j'ai reçu la cure paf, donc je peux vous montrer mon frigo, j'en ai au large. Alors du coup bah, les matins et eh ben je prends un jus paf pour boire mes petits médicaments. En ce moment quand j'ai un petit creux et eh ben du coup depuis qu'on est rentré là de notre vadrouille Mexique Alicante, eh ben, je prends un jus. Donc, vous voyez c'est hyper bien fait, zéro sucre ajouté évidemment. Et là du coup vous voyez les ingrédients et également le nombre de calories pour les 100 ml, etc. Et pour la portion. Dans ma routine je m'occupe aussi de ce gros bébé qui veut jouer avec moi, ou des fois qui joue seul le matin. Mais voilà, là elle était en train de jouer. J'arrive. Tu peux pas quoi? Viens, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi, je dois aller où? Ah, parce qu'il pleure le lapin, c'est pour ça que tu m'appelles. Il pleure pourquoi? Mon petit lapin, te saute, mon petit lapin, et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un que tu aimes bien. Et t'as vu, il est consolé, il va voir sa maman. Et tu vas être consolé par ta maman? Oui. Et aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, du coup, bah, la réalité, c'est que je fais en même temps épar. Et donc, bah, ma petite routine, ça va être de boire la bouteille dans la journée, ma mini-dose épar. Règle générale, c'est pas trop ce qui se passe. C'est que comme je vais pas à la selle, et ben, je prends un cachet. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté la collab avec épar pour pouvoir savoir si ça marchait sur une semaine, comment ça se passe, etc. Moi, le goût ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours connu, en fait, puisque ma maman en avait quand j'étais plus jeune, pour elle, pour nous, enfin bref. Le goût ne me dérange pas. Ceci dit, j'aimerais bien voir si en ne prenant aucun cachet pour aller aux toilettes, enfin des cachets non, des suppos, mais j'aime pas trop dire ça parce que c'est pas très glamour quand même, mais c'est pas des cachets, ce sont des suppos ou des pruneaux, ou voilà, je vais voir si là ça peut marcher, donc je vous redirai. Ensuite c'est parti pour le petit déj pour Liana. Donc là comme on vient de rentrer de séjour, j'avais plus de confiture ouverte, mais voilà ce que Liana déjeune le matin, la confiture qui vient de chez Casidomi où il y a que et uniquement que le sucre du fruit, tartine de pain complet, 3 céréales que j'ai un petit peu grignotouillé là, voilà. Parfois je prends de la chicorée et parfois je prends du matcha. Donc là, un petit peu de matcha, du lait, je vais touiller, mettre de l'eau et ça va me faire mon petit déj. J'ai grignoté le petit truc avec Liana là, une petite rangée, mais en ce moment là j'ai pas très faim. Je vous l'ai dit, moi quand je rentre de voyage j'ai très peu faim le matin, et c'est surtout que je récupère souvent la nausée. Et là en plus bah, j'ai la gastrite qui est revenue, puisque bah, enceinte j'ai un faible, un énorme faible déjà que je l'ai pour les choses très acides, comme le vinaigre dans mes salades, la moutarde, les cornichons. Donc du coup bah, je me flingue l'estomac et c'est plus fort que moi, j'en ai vraiment envie à chaque fois, enfin sinon j'ai l'impression qu'il n'y a pas de goût dans les choses et tout. Donc du coup voilà, donc là bah, c'est léger pour je mange en petite quantité plus régulièrement dans la journée, mais pour que la gastrite se calme. Voilà, là j'ai l'acupant à aller chercher à la pharmacie qui m'a prescrit hier le gynéco. Tous les matins je prends mon petit déj, disons, que peu importe comment il est composé, avec Liana qui joue. Et Liana je crois qu'elle est fatiguée, elle va retourner faire dodo puisque j'arrête pas de lui dire de poser les doudous qui normalement ne sortent pas de la chambre, mais là je sais pas comment ça se fait qu'elle les a sortis. Et du coup je pense que je vais aller la recoucher. Bon, Liana est au dodo, elle était très fatiguée. Du coup je lui ai fait faire dodo. Là du coup ce que je fais, c'est que normalement je fais toujours le ménage dès que j'ai fini le déjeuner, aspirateur. Donc là c'est pour ça que je suis très contente d'avoir reçu le Polti derrière, qui est du coup vous savez sans le gros truc là, et ensuite je travaille. Comme Liana fait dodo,
je travaille et ensuite je ferai le ménage. Maintenant ma table est rangée puisque j'ai trouvé la petite astuce de mettre tout dans une boîte que je range au fur et à mesure et quand, enfin à la fin d'avoir fini de bosser ou quand on va manger et quand j'en ai besoin, bah du coup j'ai juste à sortir la boîte, c'est plus étalé partout sur la table. Je travaille sur une vidéo qu'on est en train de faire avec les filles pour les comptes Insta que l'on recommande, qui nous inspire et qu'on aime bien, donc je suis en train de regarder ce que je vais présenter. Bon, j'ai fait mon petit travail, Liane adore toujours, il est 11h30, je vais m'attaquer à tout ce qui est ménage pour ensuite que quand Thibaut arrive, ce soit prêt et que moi je sois prête aussi. Donc voilà, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de petites choses et tout, publié un article, tout ça. Donc voilà, et puis j'ai regardé des vidéos YouTube parce que je cherche un truc par rapport à Liana. Mais je vous en reparlerai plus tard, je viens de vous en parler en story. Donc voilà ma petite routine de ce matin, qui est sensiblement toujours la même, à part le ménage que je fais normalement avant de travailler, puisque Liana ne se recouche plus trop le matin. Donc là c'est parti, je vide le lave-vaisselle, je vais les produits ménagers, je fais les petits trucs normaux, le vinaigre blanc là-dedans pour enlever le calcaire, je nettoie mon cookéo, je vais aller le ranger, je range mon cookéo ici, derrière il y a mes sauces shape et tout, enfin bref, mon Alchimix, mes glaces et tout, c'est Thibaut qui me les récupère à chaque fois avec la perche. Et après aspirateur, et je vais vite me préparer. Aspirateur passé, maison rangée, les jouets de Liana, tout est rangé. Maintenant, je passe au ravalement de façade et à l'habit. C'est parti. Liana est réveillée, je l'ai habillée, je lui ai mis son petit parfum et là, elle met ses petits chaussons toute seule. Tu le mets à l'envers, mon amour. C'est l'autre pied. Ouais, l'autre pied, c'est ça. Bah oui, tu l'as mis à l'envers, vas-y mets-le bien. C'est à mon tour de me préparer, donc c'est parti. Je vais faire ma petite routine du matin que je vous ai déjà présentée en story. J'utilise en ce moment les produits Hello Body. Je me lave les dents, je mets de la crème, ensuite je remets une crème par-dessus. Ensuite je passe du côté de la coiffeuse pour aller me maquiller, donc c'est parti. Un des trucs les plus importants, c'est mon huile. Maintenant, je me prépare. C'est parti. Bon, comme on rentre de vacances et que je suis encore un tout petit peu bronzée, même si j'ai pas énormément bronzé, je mets rien sur mon visage. Je vais juste mettre, voilà, pour refaire un peu mes sourcils, du mascara, du rouge à lèvres et ce sera très bien. Je trouve que mes sourcils, quand on les met en avant, enfin quand on les refait et tout, ça met tout de suite le visage structuré. J'aime beaucoup. En tout cas sur moi j'aime beaucoup, sur moi, ce n'est que mon avis. Un mascara qui est pas waterproof parce que qu'on sort pas de la maison etc, j'aime pas mettre du waterproof, c'est plus long à démaquiller. Donc du coup mon côté rapide, flemme etc va préférer le normal. Mais j'ai toujours un waterproof d'avance que mes yeux pleurent très rapidement quand je suis à l'extérieur avec le vent, les particules, les choses comme ça, le soleil. Donc du coup dès que je sors il me faut du mascara waterproof, sinon je finis en mode cocker. Cocker, cocard. A vous de choisir le terme qui vous conviendra le mieux. Je vais tester un des rouges à lèvres Banana Beauty que j'ai reçu. C'est une marque vegan et apparemment très très longue tenue. Je termine mon petit œil, j'en mets partout comme d'habitude. J'aurais vraiment pas pu faire youtubeuse beauté moi. Clairement, ça aurait pas été mon kiff. Enfin, ça aurait pas été votre kiff. Moi j'aurais fait comme d'hab, nature peinture. Vous prenez ce qu'il y a à prendre comme information. Il y a pas grand chose, malheureusement il y a pas grand chose. Ah, je suis drôle. Ah là là. C'est le oh baby. Et je vais vous faire une story en même temps. Parce que voilà, ça fait partie de mon quotidien aussi. J'ai une collab avec Banana Beauty et c'est aujourd'hui que je dois en parler. Donc c'est parti, voici une de mes routines. Bon, je suis en train de me filmer en même temps pour la morning routine enceinte et en même temps ma morning routine de nana blogueuse qui vous parle de choses. Donc là du coup, je vais tester en direct avec vous les rouges à lèvres Banana Beauty. Ça y est, du coup je suis prête, donc là maintenant je vais me préparer. Et ça y est, ma morning routine est donc terminée. J'ai fini donc par m'habiller. Alors normalement donc c'est comme ça. Et là maintenant, l'heure qu'il est, c'est juste avant que Thibaut rentre du travail, je passe en cuisine, je prépare à manger. Et voilà, et après s'ensuit le reste de la journée. Mais pour la morning routine, c'est comme ça. Je me lève, je fais ma petite photo, je déjeune avec Liana, je fais l'aspirateur, je travaille, je me prépare. Ou alors je travaille,
je passe l'aspi et je me prépare. Mais je me prépare souvent juste avant que Thibaut rentre. C'est pour ça que vous me voyez souvent en story démaquillée et après seulement je me prépare. Et quand on va en crèche, et ben c'est pareil, je vais en crèche démaquillée et je me prépare après la crèche. Je vous laisse, c'était ma morning routine enceinte et en tant qu'influenceuse. Bisous.